Friends, I Live pour la reprise, suite et peut-être fin de Pumpkin Jack. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on s'était fait couper la tête et le Korbach peut jouer tout seul. Hein. Il peut sauver le monde à lui tout seul et on vient de débloquer une nouvelle arme qui est donc le fusil à pompe. Il se la joue Devil May Cry là. On va voir ce que ça donne. Normalement, j'ai baissé un petit peu le son du retour du jeu parce que sur la dernière VOD, je trouvais un petit peu ça assourdissant, n'est-ce pas? Donc on va voir ce que ça donne. On a donc une quatrième arme et le fusil à pompe qui appartenait à la vieille sorcière dégueulasse. Alors c'est ça, Jack. Heureux de te revoir. Ça attaque direct les cordes vocales. Les cordes vocales. J'aimerais vous garder la même chose, ce qui vous donnerait le corneau pourri jusqu'à l'eau. Charmant, oh, j'apprécie beaucoup les discussions. Je vais devoir apprendre à vivre sans. Ta fin est arrivée, Jacques. Tu es en territoire humain maintenant. Et les monstres ne vont peut-être pas réussir à t'arrêter. Je vais devoir goûter un autre genre d'enfer. Voyons voir si mes semblables sauront se montrer utiles. Tu es encore plus malade et sadique que je ne pensais. Si on s'était connu quand j'étais encore en vie, tu aurais pu être mon meilleur pote, lol. QLF. Et toi, mon meilleur sujet de test, oh ! Sans qu'ici, dans le vrai monde, je n'ai aucunement besoin de toi. Tu dépends un peu trop de ce maudit corbeau. Du coup, je l'ai pris à liberté de créer un sortilège de protection pour mes hommes. Dans la mienne plume ne peut plus leur faire le moindre mal. Oh, si tu veux éliminer mes soldats, tu auras au contact par toi-même. Et pourquoi tu me racontes tout ça, NDR ? Aux fins d'apprentissage, tout simplement. T'observer et éliminer mes hommes m'apportera des informations extrêmement précieuses. Comme ça, oh, si jamais nous devions nous affronter, ton combat n'aura plus aucun secret pour moi. À très bientôt, Jacques. Ok, donc maintenant, ils sont tous immunes à l'attaque corbeau, qui était notre seule attaque à distance. Mais maintenant, on a un flingue. Que se passe-t-il? Il va falloir tuer tout le monde pour débloquer le hibou. Le hibou? Oh, des trébuchets, attention, Jacques, il ne plaisante pas. Ça va, on va s'en sortir. On va surtout essayer de trouver d'autres crânes de Korbach afin de débloquer une nouvelle skin. Alors là. C'est bon. Ça, il fallait pas qu'on vive sans. Donc cette fois, j'ai pris le parti de vous streamer le jeu à 60 FPS en 720p parce que je pense que... merci Mix62. Je pense que apprécier la fluidité du jeu, étant donné qu'il a pas mal de formes simples malgré les réflexions rétrécées, comme ici par exemple, qu'on peut observer, on va profiter cette fois de la fluidité du moteur. Donc on est en 720p 60 fps par rapport au 1080p 30 des autres streams. Ouh, oh voilà, joli pied de du. On est au beau milieu du zoo du gur. Mais qu'est-ce qu'on fait ici, oiseau? T'as pas intérêt à me dire qu'on est perdu? Oh bien sûr que nous, citrouille de peu de fou. Oh, doit juste retrouver le mur. Une reprise intéressante, mes aventures et mes soucis. Et Fépire, une piste du sorcier. Et maintenant, j'ai la certitude que sa signature magique est juste ici. Tu veux dire qu'il était ici encore récemment? Tout récemment, mais je pense qu'il faut que passe, qu'il avait que passer. Il faut qu'on prenne la ville d'assaut, alors? Tout à fait. Et nous, sont affranchissés, mais cette vieille tour de siège devrait pouvoir nous aider à franchir le but. Ouh, on va voir ce tube bricoleur, essayer de trouver les plonges ou les environs. Ou pourrez les utiliser pour réparer la tue. Quatre plonges bien solides devraient suffire. Allez, on travaille. Vous avez entendu le hibou. Donc, plus le choix. Pas le choix, faut y aller.
Donc en fait, il va falloir ratiboiser la map tout en... On est d'accord que j'arrivais de là, hein. Oui. Il va falloir ratiboiser la map voilà, en cherchant les grands, les grosses planches qui sont bon, indiquées en vert. Donc ça va, on va pas trop galérer à les chercher. C'est un jeu très user-friendly, hein, qui est pas frustrant. Il est absolument pas là pour ça. Alors, musique toujours aussi sympathique, j'espère que vous appréciez la fluidité. Et oui, on dirait un jeu à l'ancienne, remaké, et en fait c'est... Parce que c'était déjà le remake HD d'un jeu qui était sorti sur PS2, et c'est la volonté de Spinker d'ailleurs. Je crois que j'ai une planche en haut de cet arbre. La volonté d'avoir un vrai gameplay à l'ancienne, authentique. Donc c'est grogné. Le jeu profite vraiment à être, être apprécié en 60 fps, hein. Ça donne vraiment... Ça vous permet d'apprécier plus la qualité des animes, tout ça. Même c'est un jeu avec des formes douces, donc des textures très très douces et un rendu très très doux au niveau du post-process. Donc. Le framerate ne fait qu'exacerber ce, eh bien, cette douceur. Attends, mais là je peux y aller là? Ouf! En celle en haut de l'arbre. Ah oui, d'accord, après il y a celle là-bas. La quatrième, je me dois m'aller en gauche là. Hein. Speedrun, le speedrun. Ça nous fait droit blanche! Attends, mais il y en a une, elle est en haut des... C'est un rang. En haut du truc? Elle est à Pétaouchnok. Voilà, jouer les pieds de tour. Il y en a une qui est juste par terre, lol. Ça se trouve, on a même pas regardé. Merci Quantique pour ton Prime. Bon, ça va pour un jeu qui a un tel micro-budget, les assets se répètent un peu, mais pas tant que ça en fait. C'est genre, c'est pas trop disgracieux ou quoi, c'est pas... ça casse pas les bonbons quoi. Ah oui, donc là c'est juste en train de cramer quoi. En fait, le code couleur des niveaux est suffisamment différent pour... Ouais, là, on devrait pouvoir s'accrocher. Mais bon. Je ne vais rien dire. Mais où est cette planche maléfique? Non, parce que... Ah, c'est peut-être par là. Vu que je me suis perdu, bah du coup forcément je trouve maintenant. Regarde là-haut, une autre planche. Je croyais qu'ils étaient immunisés. Ça devrait suffire, retourne voir le hibou. Le hibou. Rip and salt. C'est un rang. Merci Stwill. Dès que je suis alors, je me change en rang pour te remercier. C'est très gentil ma pote. C'est bien mieux. Je pense que ce bois est pour rire ici, quel gâchu. Elle te gaspilleuse, on va la recycler cette tour. Chargez. C'est notre chance d'entrer, Jack. Renons le fort d'assaut. Je suis un cow-boy. Une petite binouse.
point, ce point, point. C'est un harangue. Ah ! Merci, foule, tu es un harangue. Entrez dans le périmètre ! Regarde, maudite courge ! Normalement, c'est... Genre, ça leur fait pas mal. Ah oui, et après, il a un espèce de triple hit combo. C'est les chevaliers aux yeux bleus, comme dans Demon's Souls. Ah merde, putain, au cas qu'ils sont vénères. Alors, oups. Ah merde, il se rapproche. Putain, parce que j'étais là, genre... ils ont l'air affreux. On va pousser ça, parce que j'ai l'impression que le jeu... Ça va exploser, Jacques. Ah, dépêche-toi, cours. Oh non, il y a des... Putain, il y a du sniping. C'est un harangue. Ce n'est pas un harangue, Crystal Live. Mais merci beaucoup à toi. J'espère que ça vient. Là. C'est plutôt cool. C'est cool comme mécanique incrustée là, au bout de 3 heures de jeu déjà. On est à peu près à 3 heures de jeu. D'accord, le double saut, ça suffit. Ah, le jeu a vraiment toutes ses dents. Je sais pas ce que vous en pensez. Et mais merci Spartanus. Est-ce que courge est le N-word pour les citrouilles? Je ne sais pas. Mais c'est cool d'avoir mis du snipe. Ce qui serait marrant, ce serait vraiment d'avoir une arme qui snipe. Putain, ce manque de respect là, blah. Et voilà, vous servez à rien. Vous servez à rien. Attends, est-ce que je sens... Je subodore un crâne caché. Et cachère même. Et voilà. Je vous disais. Et même le gramophone, il est déjà là, putain, je suis un génie. Et quand t'as tous les gramophones, est-ce que tu débloques... attends. La skin Shovel Knight comme dans tous les jeux indés. Bon. Oh la glou 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 glou. Je vois un gros méchant sur une grosse machine. Ok, dites que Edith Piaf quoi. Est-ce que pour le lore, elle peut s'appeler Edith? Oh, ces lumières sont très très stylées. Je rappelle, on est sur la version RTX, hein, pas la version Switch. Donc si le jeu est plus moche chez vous, c'est normal, vous êtes pauvre. Ça rend grave bien. Après le Unreal Engine 4, hein, c'est pas le pire des moteurs, on va dire. Et puis, la cohérence de l'open world, on sait tout de suite ce qu'on doit faire. Par contre, putain, on va se faire beaucoup emmerder. Ça va, on n'est pas obligé de perdre autant de temps. Surveille quand même s'il n'y a pas un corbac ou deux là.
Et ça donne plus que jamais un rendu film d'animation. D'avoir les ombres parfaites, tout ça. Heureusement que lui ne fait jamais exploser les bouteilles de soda pop de Ramune japonaise, parce que c'est un Kikulol Japan Expo. Il voulait juste en avoir plein, alors qu'en fait c'est pas très bon et ça donne des remontées acides. Hein. Ça s'allume tout seul. Attends ! Et boum ! Comme quoi la taille n'importe pas des masses quand tu sais tirer. C'est une blague sexuelle. Mais c'est vrai. Tu es vierge, Jacques. Ok. En bas, cul. Ah bon, là je peux pas... Ah oui, d'accord, ok. Il me manque 2 cm, comme dans la vraie vie. Non, encore un casse-tête. Et tape taupe ou quoi? Faut juste... Saute et attaque pour effectuer une charge, Jacques! Ah, c'est ça, tu fais monter le truc. Ça, faut bourrer, mais c'est génial, il est génial ce puzzle. Les projets qui font zizir, les jeux comme Pumpkin Pack. De l'un des néo old school. Ah bah attends, mais qu'est-ce que tu veux que je foute là maintenant? Y'a pas un corbac? Bah ici, juste là. Y'a pas de corbac! Je suis ravi pour... Je suis ravi d'avoir récupéré un petit coup de gnôle. Comme j'allais dire, genre, est-ce... Là, c'est même pas du double A, c'est du A qui tente de faire semblant d'être un double A et il le fait plutôt bien. Hein. Il s'équipe d'outils qui sont quasi gratuits, quoi. Sauf pour ma voix. Ma voix est littéralement plus chère que l'Unreal Engine 4. Oh purée, tout voilà. Nous, faut qu'on surveille les portes, et ben ce tarageur, il lui s'occupe du trébuchet, putain. Oh merde, je sais pas comment il fait pour toujours avoir les boulots de planquer. C'est chaud, ça commence à devenir... Ouh. Oh bon, en tout cas, on est sûr de rien avoir... Ne rien voir arriver de ce côté. Plus facile que ça, y'a pas. Oh putain, y'a un vrai monstre, on les attaque. Non mais c'est pas vrai, mais où est-ce qu'il est, Jerry, quand on a besoin de lui? Jerry! Laisse tomber, on prend le charlot, il faut qu'on aille fermer les portes et puis ça... C'est marrant ça. Ça c'est FF7 mais avec des vieux chariots qui sont même pas sur des rails. Tiens, dégage. Mais en plus avec les lumières et tout, c'est vraiment cool. Hein. Tiens, dégage. Et les ragdolls surtout font beaucoup. Ah, c'est cool, genre j'avais peur que le jeu tombe à court de ride sympa et recycle trop les wagonnets. Là faut bourrer hein. Oh non, ils sont... Oh non, oulou, ils sont arrivés. Quoi, mais attends, faut bourrer plus vite que ça.
Ou est-ce qu'il faut avoir un bon rythme? C'est de la triche! Où est l'arbitre? En fait, c'est peut-être juste les tuer. Ah oui, mais avec le corbac, tu les ralentis, puis après, tu le tues, parce que comme ça, ça l'évite d'exister, quoi. Je pense pas que c'est vraiment une histoire de vitesse. Nique-toi, hein, nique-toi, hein. J'ai failli m'énerver. Tu as réussi, Jacques, si seulement j'avais pas rayé avant le début de la course. Ne t'arrête pas maintenant, Jacques, il faut qu'on atteigne la ville. Oh, je vais tout faire cramer. Je vais m'arrêter maintenant, mais par contre... J'espère que... Là, c'est pour Bibi. Salut Jacques, c'est fou, n'arrête pas de tomber dessus dernièrement. Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu vois pas que c'est la guerre? Une guerre entre monstres humains, comment voulais-tu que je résiste? Partout où tu regardes, il y a de nouveaux clients à côté, avec des cadavres tout près de l'autre. Et au milieu de tout ça, il y a moi qui m'apprête à liquider la concurrence. Ah, c'est malin, mais quelle concurrence? Si tu veux voir mes nouveaux articles, là, tu ne verras pas le clou que je ferai ailleurs. On achète le squelette ou l'inspecteur? Le squelette a l'air stylé, hein. Mais l'inspecteur, je suis curieux quand même de savoir ce qu'il va nous mettre. Le squelette ou l'inspecteur? Squelette, inspecteur, inspecteur, squelette. Squelette, on sait à quoi s'attendre, en vrai. Et du coup, j'ai fait quitter, parce que je suis un idiot. Il a une pipe. Ben, t'es gentil, tu vas la mettre, quoi. Actuellement équipé, ok. Ah, merci. Ça, il est cool avec ce petit, sa petite cravate, là. On dirait un peu qu'il est parti chasser la galinette cendrée, cela dit, mais bon. C'est aussi une phase, hein. C'est aussi, ça peut être une strat, hein. C'est un style, la galinette, hein. C'est un hareng. C'est un hareng. Merci, Métallion Dark. Eh, mais c'est pas gentil. Eh ben putain! Aïe! Eh là, attendez, là ça commence à être compliqué là! Aïe! Ah putain, j'étais trop statique! Oh. Vite, il faut que je détruise du mobilier là! Bon, en soi, on pourrait peut-être aussi s'occuper de ces connards. Voilà, à l'ancienne. Parce que vous en pensez. Là, le petit bois, boum boum. Là. Merci, Linoa. Pour le doublage de qualité supérieure. Badabadabadaboum. Dis badablaboum. Wouhou, brûle, bébé, brûle. Oh, désolé, je crois que je me suis laissé un peu. Je crois. C'est normal, t'es un corbeau. Oh. Gad Elmaleh ne veulent pas cette blague, please.
Ah, ah, regarde qui voilà. Ah, le radar qui oublie, soi-disant, ah, de laisser un pourboire au passeur. Ah, personne n'a réglé ta traversée à l'avance cette fois-ci, Jack. J'espère que tu as pensé à amener tes bourses. Certainement. Je te laisse choisir entre 5 doigts dans la face ou m'emmener là où je veux. Ah, ah, tu n'as pas volé ton surnom de Jack le radar, de Benzaï le radar. Ah, très bien, j'accepte de te faire passer de l'autre côté, mais ah, sache que ah, je mets ça sur ta droite. À tout le monde à bord! On s'accroche! Merde, il y a des snipers si loin! Et merde! Oh, je sais pourquoi on te rappelle Benzaï, la passe. Au moins le Korbach est resté reste dans l'histoire. Quoi. Ah non mais en fait faut juste caler un. Hein. Merde. La gueule. Compliqué hein. Le jeu ne va pas en devenant plus facile hein. Abandonnez le navire hein. Merde. Normalement là c'est plus facile avec ce fusil à pompe. J'essaie de garder un œil sur les potentielles têtes de Korbach. Oh, oh, où je vais, putain. Oh, faut continuer. Moi, tant que la musique s'arrête pas, hein, je bourre ma vie. Hein. Ça ressemble un peu à Doom, cette histoire. Hein. Abandonner le navire, hein. Il joue tout seul. Il est vraiment très grand. Non mais le navire va pas du tout là où j'allais. Non. Oh mais il s'accroche pas. On est mort 19 fois dans le jeu. Là, y a rien à faire. Ah! Abandonnez! Oh, le navire! Un Devil May Cry 6. Et je vois des plateformes autour de moi, ça m'énerve. J'ai l'impression de perdre, de passer à côté de ma vie, quoi. Allez, c'est l'heure du pourboire. C'était ton dernier trajet gratuit, espèce de rapia. Oh, la prochaine fois, faudra payer compte. Dans ma tête, je suis dans Hades. J'ai l'impression de faire des assauts, c'est genre de faire dash avant, tir là pour tirer plus vite, quoi. D'ailleurs, putain, je suis mort à ça de retuer Hades avec le bouclier et avec le fusil. Mais maintenant, j'ai toutes les armes et j'ai débloqué les aspects, l'aspect de l'arc en fait, parce que sur le coup, j'ai pas compris. Je croyais que fallait buffer tout l'arc.
Genre, mais de toute façon, moi j'aime jouer à l'arc, donc je vais mettre plein de points, je vais passer les critiques niveau 3, puis le truc à tête, le Y à tête chercheuse niveau 3. Sauf qu'en fait, c'est soit l'un, soit l'autre, quoi. Donc en fait, j'ai un peu gaspillé mes 100 de... Bref, c'est nul. Ah, parfait. Un bon vieux tapto. Nul. Et voilà, voilà. Oui, ça a plus de sens maintenant. Nous sommes en face d'un level design. En fait, la plus grande force de Jack est la raison pour laquelle le diable a fait appel à lui, c'est parce qu'il a un double saut, quoi. C'est vraiment, c'est absolument imbattable dans cet univers où la distance entre les deux objets. Le bon est de ruf et l'explosif, j'ai un mauvais pressentiment, Jack. Un monde où la distance des objets est exactement égale à deux fois le saut. On prend à gauche ou à droite? Bah moi je suis plutôt de gauche. En fait. Je sais que vous l'attendiez. Hein. Vous attendiez de savoir. Prochain stream en direct du bulletin de vote. Enfin de l'isoloir. Ça arrivera. Hein. C'est à peu près sûr d'ailleurs. Je pense même que ça doit déjà exister. Cette tour nous barre le passage, Jacques. Je crois qu'il tu sais ce qu'il te reste à faire. Sachant que les mecs, ils ont tout fait pour que ça explose. Ah, je le savais. J'avais raison, revenons sur nos pas. Oui, ça va, tiens-moi par la main aussi. Ouais, mon intuition c'était qu'il fallait passer à gauche en premier et le jeu m'a récompensé, donc ça en dit long sur le développeur, hein. Pas du tout. C'est bon. N'empêche, l'appréciation des sauts est vraiment parfaite, hein. Ça a jamais été pris en défaut. Alors qu'il y a des tas de jeux, même le dernier Crash, ils ont dû mettre un truc en dessous pour dire où ton personnage va atterrir pour pas que tu fasses de la merde, quoi. Et là, dans Pumpkin Jack, depuis le début, on s'est jamais planté. Hein. Et voilà, j'ai poké ta bulle, et voilà. Amandine m'a la bulle. Attends, c'est par là ou c'est... Des fois, mon génie m'effraie. Donc non, c'est pas par là. Ni par là. Et y a pas de corps back. En fait, c'était bien par là. Et oui, Spinker a développé le jeu tout seul comme un grand. Sauf pour la Zik. D'ailleurs, qui a été faite par quelqu'un d'autre qui est passé dans le chat hier. Et c'est d'autant plus stylé. C'est l'indépendance. Puis franchement, gros CV, hein, 23 ans, salut, j'ai fait ce jeu. Qu'est-ce que je peux vous apprendre? Ça sent le CDI chez Blizzard à 20 000 euros par mois. Totalement des chiffres et conclus.
Vous y voilà enfin la grande ville, par contre. Elle est moins resplendissante que je l'espérais. On fait une bonne guérue. J'adore la violence. Mais qu'est-ce qui se passe ici, tête de plume? C'est l'enfer sur Terre, là. À toi la vie, Jéhu. Tu as devant toi les effets des malédictions du diable. Les monstres d'eux dans la chaise jubée. Ouais, et aussi à moi, j'arrive pas à croire que ces monstres débiles continuent de me prendre pour un humain, c'est sans dents. J'ai peur que ce soit ton problème et pas le mien. Fais-toi plaisir et tue-en autant que tu veux. Ils ont un sou la centaine. Ils sont à un sou la centaine. Mais ne perds pas le tout. Il faut qu'on traverse cet endroit le plus vite possible. Si on veut avoir une chance de rétrécir ce vicieux orgue. Oui, Blizzard, c'était peut-être le mauvais exemple, ils ont pas l'air d'être pressés de recruter qui que ce soit. Hein. C'est un petit peu l'inverse d'ailleurs, hein. Malgré des bénéfices records, tous les gens au chômage, c'est génial. T'aurais toi aussi dans le jeu vidéo? Ah ouais, putain, tu travailles chez Blizzard. T'as un beau gosse. Ah ouais, en CDI. Putain, franchement. Et toi, t'es pas prêt de te retrouver au chômage parce que c'est pas Activision Blizzard qui va fermer une partie de ses locaux en France parce alors qu'il gagne des milliards. Ah bah si, ok, bon j'ai rien à dire. Hi. Ça fait plaisir de vous streamer à 60 FPS parce que le jeu profite vraiment quoi. Sûrement des rats. Mais quand je vous dis que c'est Plectel quoi. Et voilà, et ça valait le coup. Merde, putain, il y en a encore un. L'avantage du flingue, c'est qu'il ratiboise de ouf, quoi. Attends. En fait, j'ai supputé qu'il y avait une... une plateforme cachée là, des trucs à débloquer. Yeah, le sniper. Mais tire dans les trucs explosifs comme ça. Mais non, oh, ça a traversé. Faute. Monsieur l'arbitre. Bah, je risque rien. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce wallack là? La balle qui nous clip. Nom d'un petit bonhomme. Attention, c'est parti! Oh, encore 3 débilus! Voilà, bon, mais t'es bon là, c'est bon, t'as pas dû remonter la garde, Jerry va nous tuer! Ah ouais, c'est pas de faute! Comment on aurait pu y avoir une jarre de débrouille, je suis sûr! Parce que le capitaine a sauté!
Oui, c'est pas grave. Waouh, vous êtes vraiment pas loué pour garder quoi que ce soit. À croire que vous avez autant à vous saouler, ce qui n'a aucun rapport avec les véritables forces de l'ordre, n'est-ce pas? Ah, il est de retour! Le monde de tout à l'heure! Oh, s'il arrive à me saisir les portes, aussi! Oh, Maurice, t'as entendu, oui! Eh ben, restez pas planté là comme ça, au chariot! Il faut qu'on se dépêche d'aller fermer les autres portes! Quoi encore? Mais d'accord, mais comme vous voulez! Le mec, il a... Wouah ! 20ème mort. Et les mecs se suicident en fait, enfin c'est... Ils sont fous. Regarde, le mec, on a rien fait. Franchement, je n'ai rien fait pour qu'il meure. Hein. Vous êtes... Mais ils sont fous. Ils vous deviennent fous, messieurs. On aurait un peu dans la fin de Last of Us 2, je vous en pensais quoi? Aussi, moi, ça me fait autant pleurer. Hein. Oh, mais vous savez, il a triché. Le mec, il est stun. Et il est... En fait, il ralentit pas. Par contre, il s'est jeté dedans, quoi. C'est bonne chance, hein. Pour moi, cette poursuite-là, elle rame pas en ray tracing. On démarrait... Oui. Ouais, ils sont tous morts, hein. Je sais pas si c'est drôle, mais... Vous êtes nombreux à avoir dit genre on dirait un jeu Fest of Dreams, mais en vrai clairement pas, parce que ça se voit que les polygones sont, les assets sont pas des, des trucs en voxel. Le personnage est super bien animé et rigué, ça se voit que c'est pas un truc fait en petite bille sur Dreams. Il y a un certain oomph et un feeling dans les assets aussi. Ça fait pas que des espèces de petites guirlandes. À part, par contre, je dois bien avouer que le jet de Korbak fait un peu Dreams, mais sinon, ouais, il y a une certaine douceur, mais bon, ça, c'est pas un défaut. Mais même le double saut est pas aussi flottique que dans Dreams. Non, mais. Parce qu'on fait souvent la blague. Mais en vrai, il y a plein de choses qui font que. Non, ça se voit que c'est pas fait sous Dreams. Allez, connaître. Je sais que je dis souvent, mais cet endroit me file la frousse. Je ne sais pas quelle voix lui donner. Cachalot ! Remarque, il reviendra plus l'autre boss qui avait la voix de Vegeta. Je suis Isidore ! Wow, t'es un grand gaillard, toi, pas vrai ? En même temps, c'est pas comme si on avait donné une bonne voix à Jack, hein. Ça a toujours été de la merde, cette VF improvisée, hein. T'es censé être qui ou quoi? Moi je suis d'or. C'est karaté quoi. Moi je suis d'or. Moi roi des monstres. D'or détruire ville, d'or écraser humain. Ah, très éloquent, ceci dit, on dirait que toi et moi avons un certain objectif en commun. D'or sans humain dans toi.
d'or écrasé humain. Oui. Eh, on se calme, en gros. Je vais être de ton côté, mais je laisse personne me marcher dessus. Mais d'or écrasé, toi. Eh ben, j'ai que les monstres n'étaient pas futés, mais à ce point-là... Attention, espèce de malheur, dernier avertissement. Écarte-toi tant que tu le peux, il va passer ton brevet. Gru. Tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu. Ouah, Jack! Les armes ne servent à rien, son armure est trop résistante. Aïe. Soldats aux armes! C'est ce Jack qui a fait rentrer! Ça va être leur chef à l'attaque! Bon, le mec a dégagé, quoi. C'est assez original comme boss. Ah, il faut qu'il pète le truc, là. Ah, il passe au travers, quoi. C'est un rang. Ambiance Rayman dans ce boss. Merci! Oh, putain, Luloudre! Maintenant, il appelle Artemis, quoi. Merci, Luloubart! Et maintenant, le sol est en feu, bon. J'ai pas eu le temps de regarder, hein. Aïe, 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 aïe. En fait, faut pas se barrer, quoi. Eh, mais c'est chaud. En fait, mon timing, il dit 34 minutes, mais c'est sans les arrêts de jeu. Regardez-moi ce magnifique reflet dans la flaque d'eau. C'est beau, quand même. Aïeux. Attends, mais je touche quoi? Je touche des salamandres ou c'est quoi ce délire? D'or, l'exploratrice. L'un des rares trucs pour l'instant que je... On verra le dernier boss, mais... Enfin, je sais pas combien il reste de niveau, mais... L'un des rares trucs que je déplore pour l'instant, c'est le fait que... Il n'y a pas genre un méchant... Enfin, chaque arme ne correspond pas forcément à une situation particulière. Et du coup, par exemple, le boss, il n'y a pas besoin de switch entre les armes... Et donc pour l'instant, jusqu'à présent, chaque arme a supplanté la précédente. Après, on rappelle, hein, c'est le premier jeu du créateur. Et c'est déjà un travail de titan. Mais putain! Mais qu'est-ce qui me fait mal en fait? Je comprends pas. Qu'est-ce qui me touche? Pourquoi je meurs là? Le sol? On a pas le droit de marcher sur le sol. Comment tu fuis? Et je pensais que c'était juste la texture, moi, qui était rouge un peu. On va recommencer. Non, parce que quand le sol est de la lave, ok. Oui, après, c'est le marteau qui m'a achevé, on est d'accord. Vire le RTX, tu comprendras le souci. Ah oui, c'est vraiment... Attends, parce que là, en fait, des fois, je fais pas gaffe, mais en fait, des fois, c'est Spinker qui nous parle, donc le créateur du jeu. Et donc c'est vraiment le RTX qui bug. Bon, je me referai toucher pour rien, je regarderai. Ça me fait vraiment penser à Hades, mais parce que j'ai tryhard Hades hier soir. Par contre là, ce floor is lava, c'est très très cool pour le boss. Yeesh. En tout cas, j'espère que tu n'es pas lassé de voir les gens jouer à ton jeu, Paul. Et tu vois là, il y a des petits bouts rouges, mais...
Thor is lasagna. Ah mais la tour rougeoie là. Faut pas toucher les bouts de texture rouge. Allez, on va virer le RTX. Merci Frantic Platypus. C'est un boy. Wouh ! Ouah, Antoine, Daniel ! Ah ! Et bien, mon cher frère ! Ah, ça me fait plaisir, ma poule ! Bienvenue à la commu d'Antoine, Daniel, check du coude ! Bienvenue à la commu, Daniel ! Vous aimez déjà... Vous aimez Antoine, Daniel ! Donc, vous m'aimez déjà à moitié, au moins. Bonjour à tous, je suis Benjamin Daniel. Et on est en train de jouer à Pumpkin Jack, un jeu indé fait par un seul homme... d'à peine 22 ans, 23 ans, mais il a commencé le jeu quand il avait 18 ans, il l'a fait tout seul sur Unreal Engine 4, et en plus, vous reconnaîtrez peut-être le narrateur, on est contre le 4ème boss, ou 5ème boss je crois. Attention, c'est dur. Et je me concentre. Je vous fais des gros bisous. Merci à toi Antoine. Ah oui, là d'accord, là on voit beaucoup mieux les fractures. Ah oui. Ah mais je les aurais vues comme ça depuis tout à l'heure, mais j'aurais tout évité. Ça fait un sacré host hein, quand même, hein, putain. Franchement, merci. Hein. Sachant que la reprise post-Covid est assez dure. Je suis mieux qu'à 400 subs alors qu'avant j'en avais 20 millions. Je vous jure. Allez, clac, on nettoie ça. Ok, d'accord. Donc là, c'est vraiment un peu plus frame perfect. Ce qui est marrant, c'est que sans ray tracing, le jeu, il a un côté vraiment plus à l'ancienne. Quoi. Ah ! Va devoir rigoler ! Tu ne cesseras jamais de m'étonner, Jacques ! C'est vraiment toi le meilleur ! Fais-moi l'amour ! Bougez pas, on va remettre le ray tracing. Non, je l'ai enlevé. J'ai réussi à ne pas le mettre. Encore une fois. Yes ! Attention, on va écouter un narrateur de grand talent.